pour parler de la suite des aventures des Dungeons & Dragons, alors, bon, mais c'est pas facile, hein. La dernière partie, j'ai eu plusieurs éclopés, hein, des manchots. Et puis, ils n'ont pas énormément de solutions pour s'en sortir, à part aller dans ces fabuleuses et merveilleuses cavernes où ils pourront trouver de l'arcanium, suite aux indications du seul personnage qu'ils ont pas tué dans le village où ils se trouvaient, un gnome assez facétieux, hein. Donc voilà 5 de nos aventuriers sur les 6, et non, la voleuse n'est pas avec eux. Ce qui est un petit peu idiot, parce qu'il me laisse quand même ses pratiques dans ses terrains pour reconnaître s'il n'y a pas des pièges, remarquer des pièges dans des souterrains où on fait plutôt de la mine. C'est sûr que normalement, la logique voudrait qu'il n'y en ait pas trop. Il y en a souvent dans les scénarios, pourtant, les mineurs, ils vont miner, et puis bon, ben, quand même, ils doivent passer la moitié de leur journée à esquiver des pièges. C'est vrai que c'est un peu con. Des fois, dans un dragon. Mais là, non. Là, c'est une mine plus classique, juste qui est infestée par des grosses araignées. Et oui, grosses araignées avec plusieurs des personnages qui sont arachnophobes. Alors, comme il y a trois manchots, les guerriers, quand même, c'est un peu gênant. Les nains et le paladin, ils se disent, bon, ben, on va mettre peut-être pour changer le barde ou le magicien devant. Ce qui est quand même, c'est peut-être plus évident. Là, qui tire la courte paille entre le magicien et le barde, mais finalement, le magicien, c'est lui qui perd pas, c'est un magicien. Les tours mineurs, ça sert aussi à ce genre de conneries. Ouais, ça n'est pas. Donc, le barde, il se retrouve en premier, fier, hein. Pas fier, c'est la première fois de sa vie qu'il est devant. Enfin, je veux dire, dans ce genre de situation, hein, dans des grottes, il a déjà été derrière ou devant, c'était. Mais. Pas des. Mais bon, les jeux de rôle, des fois, c'est pas pour parler de ça. Donc, on va essayer de redevenir sérieux. Donc, le barde, il est devant, et puis, on était pas là. Bon, il a les quatre autres qui poussent derrière, mais c'est lui qui est le plus arachnophobe de la bande. Donc, bah, il progresse, hein. À un moment, il faut tourner à droite ou à gauche, parce que bon, il y a un conduit principal, puis ensuite, droite ou gauche. Alors, bon, bah, le barde, il prend à gauche. Le nain, il se dit, peut-être on devrait prendre à droite, il y a plus de traces, ça sent plus le métal à droite. Le barde, il est déjà allé à la gauche, donc c'est un peu con. Donc, il discute les quatre autres là, en laissant le barde aller à gauche. Et puis il décide, d'un commun accord, la courte paille, que ça serait le magicien qui serait devant eux. Comme il est tout seul à jouer là, il a du mal à tricher quand même, le magicien. Bon, vous me direz, le magicien pourrait se défendre contre trois manchots, il pourrait. Sauf qu'il colle vraiment au cul, les trois autres. Okay. Bon, bah, ils vont à droite. Elle continue. Et là, il y a encore un conduit qui sépare en deux. Donc là, le magicien dit, mais je sens plutôt réfléchi quand même. À droite. Là, les nains, non, ils sont un petit peu de métal, et les nains, c'est à gauche. Ah, mais le magicien, il dit, je sens à droite, j'y suis pas allé, moi. Je sens à droite, les gars. Je vais à gauche avec vous si vous voulez. Nain, et puis guerrier paladin, il dit non, t'as qu'à aller à droite, on continue à gauche. Vous êtes sûr, les groupes de 1? Oui. Bon ben, magicien va à droite, et puis les autres, ils continuent à gauche. De moment, ils continuent à marcher, puis il y a le magicien. Il marche. Ils sentent qu'il descend, tout ça, et puis ils retrouvent le barde. Je le trouve dans une grotte où il y a une sorte de lac, une sorte de cul-de-sac. Le barde a peur parce qu'il y a une grosse araignée au plafond, il ne sait plus bouger, il est pétrifié. Le magicien, il regarde, il a peur aussi des araignées. Mais juste quand c'est sur sa peau, quand c'est loin, il peut lancer des foudres magiques. Il lance une foudre, hop, il tue l'araignée. L'araignée tombe. Et là, qu'est-ce qu'il voit dans l'eau? Bon, une sorte de créature qui bondit, qui chope l'araignée, qui la bouffe. Un dauphin. Là, le magicien et le barde, ils se regardent, un dauphin dans une grotte sous-marine en plein milieu de terre. Qu'est-ce qu'il sait que ce portail? Peut-être que c'est un passage, un plan vers un autre monde. Et là, d'un coup, une lumière se fait au fond de la grotte. Ils voient un hôtel. Ils voient Plouf. Pas très content, Plouf. Pas très content du tout. Du tout. Bon, j'arrête là sur eux. La suite la prochaine fois. Et quant à mon paladin,
Et mon guerrier, Aïe-Aïe-O, ils ont quand même mis le nain devant là, quand même, ils se sont rendus compte que le nain, ça sent le métal. Ça se gourre pour trouver des dragons, mais ça, c'est comme dans le premier épisode, ça sent le métal. Donc ils descendent bien bas, hein, ils prennent à droite, puis des fois à gauche, puis à gauche, puis à droite, à gauche, à gauche, à gauche, à droite, au milieu, parce que là, il y a trois embranchements, et à droite. J'espère qu'ils ont pensé à noter, parce que c'est tout l'inverse qu'ils devront faire au retour. Ils déboulent effectivement sur une grotte où il y a toute une famille d'araignées, mais c'est une grosse famille. Enfin, c'est pas comme on dit fourmilière, on dit pas araignée-lère, mais c'était une famille d'araignées, mais pas que des araignées. Il y en a qui finissent par des troncs d'elfes noirs, des draiders. Avec au fond des elfes noirs et un hôtel consacré à l'Holt des araignées. Ils sont à peu près 125. Et les autres sont 3 et sont moins chauds. J'ai arrêté là aussi sur eux. C'est pas être facile. C'est dommage qu'ils aient pas eu le magicien. Il avait un sort de contrôle des araignées qu'il voulait tester depuis un petit moment. C'est comme un... Et puis sinon, il reste la voleuse hein, qui a coupé les pieds des derniers survivants du village. J'aurais bien un village. Enfin, regarde les gnomes. Ils sont partis où mes camarades? Ils sont partis dans les grottes chercher l'arcanium. Ah d'accord. Ouais, ils sont partis dans les grottes. Ok. Ils sont partis dans les grottes tout seuls. Alors qu'ils ont peur des araignées. Tu as lancé un charme sur eux ou quoi? Fait la voleuse parce que quand même, ils seraient un peu cons d'être partis comme ça. Là, le gnome, comme il a trois couteaux sous la gorge, je sais pas, elle arrive à la technique avec trois couteaux sous la gorge, la voleuse aussi. Et il avoue que, ouais, quand même, il les a un petit peu charmés avec un petit sortilège des gnomes qu'il avait pour que les autres, ils y aillent comme des cons. Ok, bon, ben là, la voleuse, il s'énerve un petit peu. Alors, elle égorge le gnome. Con parce que le gnome il aurait peut-être pu soigner les aventuriers, leur mettre un nouveau bras. Il s'est dit merde, quand même, c'est un peu con. Hein. Et puis, comme il y a des boissons là, chez le gnome, il boit un coup et puis il réfléchit. Ouais, c'est plus facile de réfléchir pour boire un coup. Quel des autres joueurs, quand il voit qu'il boit un coup, qu'elle a tué le gnome qui pouvait les soigner, je vois comme pas. Un jeu de rôle, des fois, c'est bien de passer par les joueurs. On voit les conneries que font les autres. Après, ils s'engueulent. C'est marrant. Des fois, ils s'engueulent vraiment. Là, ils sont vraiment engueulés, d'ailleurs. C'est pas... Bon, enfin, bon, les jeux de rôle, c'est l'amitié, normalement. On verra la semaine prochaine. Peut-être que Plouf va les aider, c'est pas.